Bonjour à tous les amis. Donc voilà, je suis parti de l'étang du Devin et j'ai commencé à monter vers la tête de Faux et je suis tombé sur ceci. En fait, c'est une gare téléphérique allemande de la gare 14-18 apparemment. Il faudrait mieux que je regarde sur le panneau. En fait, ce téléphérique reliait ce point-ci, on doit être à 1100 mètres, je pense, ou un peu plus, au village de Lapoutroie, qui se situe à 425 mètres d'altitude. Donc, il a porté tout ce qui est marchandises, etc. et tout. Et c'est bien 14-18. Ouais. Et pour vous dire, là, hop, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça s'arrête très rapidement. Il était d'une longueur de 3 km. Et après, par les rails, il rejoignait la tête de Faux. Sans doute que là-haut, devait y avoir des pièces d'artillerie ou quoi, je pense. Du fait d'être en hauteur, on peut bombarder toutes les positions en aval. Oui. Donc, c'est vrai que c'est magnifique, mais il y a quand même un petit côté de dégoût, de savoir qui s'est passé tout ça. Bon, c'est ce qui fait son charme. Faut y penser de temps en temps. Ouais. Donc en fait, on voit bien, regardez, l'épaisseur de béton qu'il y a au-dessus, à mon avis, pour les bombardements, pour résister à n'importe quelle attaque, c'est impressionnant. Là, je pense qu'il y a bien 3 mètres de béton, quoi, avec des couches différentes. Donc c'est ça qui est hallucinant. Il devait avoir compris que fallait plus ou moins une solidité, enfin bref, impressionnant. En tout cas, la nature a bien repris ses droits. Et heureusement pour nous, tout ça est bien, bel et bien passé. Juste ici, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Hop, on voit encore les traces du rail de ce petit train qui devait rejoindre la tête de Faux. Donc voilà, c'est inattendu, mais bon, c'est ce qui donne le charme. Donc moi, direction tête de Faux, tête des Faux, oui, ça doit être ça. Et je vais vous faire d'autres photos et vidéos plus tard, les amis.
Donc c'est vrai que même c'est un bon jour, alors que je vais pas tarder à poser la tente. J'ai enfin trouvé mon coin, j'ai une superbe vue. Je vous en ai fait quelques photos. La montée a été raide. Je vais pas vous mentir, ce matin, ce qui s'est passé en fait aujourd'hui, c'est qu'il a fallu que je recharge le caméscope tout de même. Ah, donc c'est fait. Je vous ai fait une photo de ça d'ailleurs. À Le Honnec, qui est un col qui est à 1300 et quelques mètres, ce qui en soi est pas mal. Et ben, j'ai commencé à descendre et surtout jusqu'à Mittlach. Et maintenant, je remonte vers le col du Rosenberg. Donc, dur, dur. Je vais pas vous mentir, ça remonte. En fait, on descend à 500 et quelques mètres et on remonte pour 1000-1200 mètres. Le Rosenberg, je crois qu'il a 1147, un truc comme ça. Donc ce soir, petite pause sur une aire où j'ai un chemin forestier à côté de moi, certes, mais qui est idéal et avec une très belle vue pour dormir. Puis moi, ça me fait un bien fou. Je suis à 943 mètres d'altitude, ce qui me laissera très peu à monter demain. Bon, il faudra quand même le monter, mais ça sera moins qu'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai poussé un peu. Et voilà pourquoi aussi, je vous fais une vidéo. De soir, comment vous dire, un peu tardive, en disant bonjour et un peu bonne nuit, on n'y est pas loin. Donc voilà, je vais vite fait vous montrer cette vue qui est magnifique. Donc le premier village que nous allons voir est Mittlach. Hop, bougez pas, je vais essayer de la voir. Hop. Il est juste ici, c'est Mittlach, c'est de là d'où je viens. Et dans la vallée, le reste. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas les noms. Faudrait que je reconsulte ma carte pour ça. Et voilà. Donc tout de même, je vous ai fait quand même quelques photos et vidéos de ma journée. Franchement, c'est très très joli. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas sauvage du tout. C'est-à-dire que je dirais même que pour moi, hein, du moins, c'est l'autoroute. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. C'est des endroits très connus de par leur beauté aussi, hein. Ça va avec. Un endroit qui nous plaît pas, on n'y va pas, tout simplement. Donc voilà, fatigué, transpirant, ben, la montée quoi, hein, tout simplement. Puis franchement, je suis venu ici pour avoir du frais, il fait chaud. Faut le faire, il faut le faire. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Donc, je vais poser la tente, je vais sans doute encore vous faire quelques photos là, parce que le coucher de soleil, bon, le soleil est derrière moi, mais de voir ça sur le village, ça risque d'être magnifique. Et je vous dis à demain, les amis. Demain!
amis. Donc voilà, j'ai dépassé le col d'Ehrenberg. Et oui, j'ai fini la montée d'hier, qui était vraiment... ça pique, hein. Après une journée pareille, ça m'a fait tout drôle. Ce matin, ça va, j'ai assez bien avancé. Bon, je viens de croiser des gens. Bon, je l'avais senti déjà d'entrée ce matin. C'est une des journées les plus chaudes de la semaine. Voilà, il faut que je vienne ici pour emmener le beau temps. Truc de fou. En tout cas, franchement, j'en prends plein les yeux. Là, actuellement, je suis une ligne de crête. Enfin, juste en dessous exactement. Je suis en plein dans les bois. J'entends d'ailleurs qu'il doit y avoir une route pas loin parce qu'on entend de loin quelques véhicules circuler. Alors, le col Ehrenberg, magnifique quoi. En plus, ça appartient qu'aux éleveurs. Franchement, le top. Le top pour une vache quoi. Il y avait quelques veaux. J'ai eu le droit, comme vous avez pu voir, au déplacement d'un troupeau. On voit que c'est super bien organisé, tout à la queue leu-leu. Et du coup, je prends la direction du Grand Ballon. Donc là, je ne vais pas vous mentir, il me reste quelques jours et le trek se termine. Ça me rend un peu triste. Moralement, c'est un peu raide. C'est magnifique ici. Magnifique. Enfin, voilà. Donc écoutez, la journée ne fait que commencer. Je vous ferai d'autres photos et vidéos, bien évidemment. Et je vous dis à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. We'll be right back.
fois, ben, il fait chaud, il fait très chaud. J'ai passé une superbe nuit, après j'ai déjeuné donc à une boutique qui s'appelle La Famille Riche, qui est vraiment excellente et très accueillante. Et après je suis parti, j'ai commencé la descente vers Tannes. Donc là en fait je vais pas tarder à y arriver au final, j'aurai vraiment fini avant mon trek. Mais étant loin de chez moi, je vais me diriger vers Cernay pour dormir à un camping. Et je vais y passer aussi cette nuit donc et la nuit prochaine. Donc autant demain dans l'après-midi on aura fait une petite visite de Tannes. Je connais pas du tout. Donc voilà, j'ai passé de très beaux coins. Bon, ben, j'ai dû remonter un peu par Molkerein. Ça remonte effectivement. On passe un musée, un grand cimetière dû à la guerre. Ça fait bizarre. C'est une ambiance spécifique. Enfin. Donc du coup voilà. Donc je me dirige vers Tannes et ensuite Cernay. Je vais continuer les photos et vidéos. Il fait une chaleur de dingue, je vous raconte pas. Et je vous dis à tout à l'heure les amis. Tout à l'heure. Amis, donc voilà, j'ai dépassé Tannes, le vieux Tannes, et maintenant je me dirige vers Cernay au camping des Cigognes où je vais me poser pour cette nuit et la prochaine. Et oui, donc l'aventure bah, effectivement se termine, du moins dans les montagnes. Demain, soit je me repose, mais je pense que je vais aller faire un tour à Tannes quand même, histoire de visiter un peu si je peux vous montrer quelques trucs. Et voilà, donc franchement les Vosges, très beau. En cette période par contre, bon, beaucoup de gens m'ont dit que c'était exceptionnel, mais très chaud. Et ouais, il fait chaud, je vous raconte pas. Et franchement, j'en ai pris plein les yeux. C'est vraiment une belle région aussi. Comme quoi en France, un peu partout qu'on aille, si on cherche bien, pas forcément beaucoup, c'est ça qui est bien, ben c'est magnifique. Donc voilà, on se dirige donc vers les Cigognes et on va voir tout ça tout à l'heure les amis. Ciao.